suspension du Niger et évaluation du ministre de la Défense et celui des infrastructures constituent le menu de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. 2 ministres étaient absents lors de l'évaluation de la gestion par le Premier ministre Kielem ce matin. Ces choses faites, les ministres de la Défense et des Infrastructures, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, ont sacrifié à l'exercice. Le reportage est signé Abibalaï Bouraïma et Gédéon Tapsova. Depuis le vendredi 11 août dernier, les ministres du gouvernement Kielem font la ronde dans les bâtiments abritant le premier ministère. Objectif de cette ronde, c'est soumettre à l'évaluation du rapport de mise en œuvre du contrat des objectifs fixés 2023-2024. Ce mardi 22 août, ce fut le tour des ministres de la Défense et celui des infrastructures. D'abord que dans le cadre de la bonne gouvernance, ça c'est un signal fort. Que tout membre du gouvernement, par rapport aux objectifs qui ont été fixés, qu'ils puissent passer souvent faire le point. Il va sans dire qu'on ne va pas mener des actions sans nous-mêmes en interne voir ce que nous faisons et aussi à la hiérarchie de pouvoir voir par rapport aux missions, aux objectifs qui ont été assignés, quels sont les niveaux qui ont été atteints afin de corriger ou de nous donner des directives pour améliorer tout et aller de l'avant. L'essentiel étant de toujours chercher le meilleur chemin, la meilleure voie, les meilleures formules possibles que l'ensemble des Burkinabés puissent vivre heureux, en paix et dans la joie. Après le ministre de la Défense, le Premier ministre a évalué également la performance du ministre des Infrastructures et du Désenclavement. L'évaluation a porté sur notamment les travaux de construction des infrastructures routières, aéroportières et ferroviaires. Et nous avons pu faire le bilan et les contrats que nous avons, les attentes que nous avons pu avoir et nous avons des perspectives. Effectivement, nous avons pu constater que nous avons des problèmes au niveau de l'exécution de nos travaux compte tenu du défi sécuritaire. Parce que dans les zones où nous intervenons, nous étions obligés de suspendre les travaux. Alors nous allons poursuivre les concertations avec les forces de défense de sécurité pour pouvoir libérer ces zones-là, afin qu'on puisse intervenir. Au niveau des voiries internes, il y a aussi des problèmes. Parce que lorsque nous avons installé les entreprises, nous sommes confrontés aux concessionnaires, notamment la Sonabel, l'ONEA et l'ONATEL, parce qu'il fallait qu'ils déplacent leur réseau pour que nous puissions évoluer dans les travaux. Et c'est dans ce cadre que nous avons discuté avec son Excellence le Premier ministre pour qu'il puisse donner des instructions à ces concessionnaires-là, qui puissent libérer l'emprise de la route afin que nous puissions travailler, intervenir. Par ailleurs, nous avons aussi rencontré un certain nombre de problèmes, dont notamment la passation des marchés. Et dans ce cadre-là, nous avons décidé de déconcentrer tout ce qui est travaux, passation des marchés au niveau des régions. Parce qu'à titre d'exemple, les travaux d'entretien courant de 2022, il a fallu pratiquement un an parce que les travaux sont centralisés au niveau de Ouagadougou et nous avons décidé en réalité de déconcentrer ces travaux. Ça pourra mieux améliorer nos performances. Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement obtient quant à lui une note de 34,9%. Le ministre de la Défense a demandé de toujours prier pour ceux qui organisent et escortent les actions humanitaires au profit des populations.
fournir des preuves d'identité à plus de 85% de la population burkinabé d'ici 2025. C'est le pari qu'entend tenir la ministre de la Transition digitale. Plusieurs dispositifs de gouvernance ont été élaborés pour y parvenir. Plus de détails dans ce élément signé Odette Zouanguena. Le gouvernement burkinabé veut relever le défi attrait à l'identité de la population burkinabé au cours de cette première session du comité d'orientation stratégique de suivi et de mise en cohérence des initiatives d'identification au Burkina. Cette session est placée sous la présidence du Premier ministre Apollinaire Joachim Son Kyelem de Tsambela. Le but de ce projet, c'est de fournir une identité, une preuve d'identité à au moins 85% la population au Burkina Faso d'ici 2026 pour leur faciliter l'accès aux services sociaux de base. Dans la mise en œuvre de ce projet-là, on a mis en place un dispositif de gouvernance avec à la tête le comité d'orientation stratégique pour la mise en cohérence des initiatives en matière d'identification sectorielle. Et ce comité est présidé par son Excellence le Premier ministre lui-même et autour de lui plusieurs départements ministériels. Le rôle de ce comité-là, c'est de suivre la mise en œuvre du projet ORI et de toutes les initiatives d'identification et de s'assurer de leur cohérence et de la synergie d'action entre toutes ces initiatives-là pour qu'on puisse disposer en tout cas d'un système efficace qui permette de résoudre les problèmes que j'ai tantôt évoqués. L'initiative nationale et endogène de création du registre national de l'identifiant unique électronique des personnes fournira à 85% de la population une preuve unique électronique de la personne reconnue par les autorités exécutives d'ici à 2026 pour faciliter leur accès aux services sociaux de base. À noter que cette initiative a été reprise en 2020 par le programme d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest, et ce avec l'accompagnement financier de la Banque mondiale. Outre le Burkina Faso, 5 autres pays bénéficient du dit programme. Il s'agit en l'occurrence de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Niger, du Togo et du Sénégal. Mettre le digital toujours au cœur de la refondation du Burkina Faso, c'est ce que vise cet autre projet du gouvernement burkinabé, le e-visa. Désormais, toute personne assujettie à une demande de visa d'entrée au Burkina Faso devrait le faire en ligne sur le www.visaburkina.bf. Odette Zouanguena et Yannick Kabouré pour le compte-rendu. Le Burkina Faso lance son visa électronique. Le ministre délégué en charge de la sécurité a procédé au lancement officiel de la plateforme de délivrance électronique du visa dénommée e-visa Burkina. Désormais, tout étranger assujetti au visa désireux de séjourner au Burkina Faso est obligé de formuler la demande en ligne. Donc il était temps pour le Burkina Faso de renforcer son dispositif sécuritaire à travers la maîtrise du flux migratoire. Donc désormais, il n'est plus question de pouvoir savoir qui rentre au Burkina à partir des frontières, mais désormais déjà à la demande de visa, nous avons le temps de traitement, ça veut dire le temps de recoupement d'informations, le temps de recoupement des objets de recherche sur la personne, avant d'accorder même le visa, afin que le demandeur puisse entrer et venir au Burkina Faso. Cette initiative portée par le projet de sécurisation des visas du Burkina Faso s'inscrit dans la dynamique du gouvernement de mettre le numérique au cœur de la refondation de l'administration. Cette innovation met fin aux visas classiques. À partir de la mise en place de la plateforme là, et tous les visas doivent se mettre sur la plateforme e-visa. Puisque avant il y avait les cachets IMID. Voilà, ça veut dire que vous arrivez à la frontière ou bien dans une ambassade ou un consulat, voilà, c'était un cachet qu'on appose sur votre passeport et on écrit en BIC. Voilà. Après ça, il y a eu la vignette sécurisée et maintenant, en fait, la plateforme. Ça veut dire que tout s'est fait sur la plateforme.
À la question d'un journaliste sur la fiabilité et la sécurité de la dite plateforme, le ministre s'est voulu on ne peut plus clair. Oui, la plateforme est sécurisée. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est également une plateforme qui est à tout moment auditée par l'ANC, auditée par le ministère en charge de la transition digitale. Et il y a eu des tests de robustesse pour pouvoir aussi tester le niveau de sécurité de la plateforme. Donc nous puissions dire que la plateforme est sécurisée et que tous les demandeurs peuvent passer bien sûr par cette plateforme pour faire leur demande de visa. Le coût de la mise en œuvre de la plateforme e-Visa Burkina est estimé à 300 millions de francs CFA. La plateforme est opérationnelle depuis le 1er février dernier. Sur 8647 visas sollicités, 8343 visas ont déjà été accordés. En 6 mois d'exploitation, elle a déjà généré plus de 964 millions de francs CFA au profit du budget de l'État. Ouvrons la page internationale avec la décision de suspension du Niger par l'Union africaine. L'Union africaine a annoncé ce jour même la suspension du Niger de ses institutions après le coup d'État du 26 juillet dernier. Suivez. Le Niger a été suspendu de toutes les institutions et activités de l'Union africaine jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel dans le pays, a annoncé l'organisation mardi. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA, qui compte 55 pays, a pris cette décision à la suite du coup d'État du 26 juillet. Il s'agit là de la première annonce publique du Conseil depuis qu'il s'est réuni le 14 août pour discuter de la crise au Niger. Dans ce communiqué, le CPS demande à la Commission de l'Union africaine une évaluation des implications économiques, sociales et sécuritaires d'une éventuelle intervention militaire ouest-africaine à Niamey, appelant à une solution diplomatique. S'agissant de la transition de 3 ans annoncée par la junte samedi dernier, elle a été rejetée par le Conseil, qui a appelé tous les États membres et la communauté internationale à s'abstenir de légitimer le régime illégal au Niger. Et parlant toujours du Niger, l'on s'inquiète sur la capacité à conserver au froid les quelques 28 millions de doses de vaccins pour cause les coupures de courant constatées depuis le coup d'État du 26 juillet. Privé des mégawatts en provenance du Nigeria après le coup d'État contre Mohamed Bazoum, le Niger fait face depuis des semaines aux coupures de courant. Le pays dépend de son voisin pour près de 90% pour son électricité. À l'image de plusieurs autres secteurs, celui de la santé n'est pas à l'abri des délestages actuels. La conservation des vaccins, par exemple, inquiète. Chaque semaine, on peut évaluer jusqu'à une centaine, plus d'une centaine. Puisque, par exemple, deux fois, on arrive à retrouver 60, 80, 40, 30 enfants par jour. Si c'était le jeudi que vous étiez ici, on aura beaucoup de gens par rapport aux autres jours. Les générateurs utilisés pour faire fonctionner les chambres froides font exploser les budgets. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance au Niger a dépensé 200 000 dollars au cours des 3 premières semaines d'août, contre environ 10 000 dollars par mois pour leur alimentation en carburant, afin de maintenir les vaccins au froid auparavant. Si ça continue, cela veut dire que nous allons être à court de gasoil et on ne peut plus alimenter ces chambres en électricité et tous ces vaccins que nous avons pour des milliards de francs, nous risquerons de les perdre. C'est ça surtout le problème. C'est ça le problème. Ce sont au total 28 millions de doses de vaccins qui sont en danger dans le pays. Un peu de sport dans cette édition et c'est le dernier axe. Le Burkinabé Zango sacré au triple saut avec un saut de 17,64 mètres lors du championnat du monde d'athlétisme à Budapest. Le Burkinabé décroche l'or. Il est ainsi le premier Burkinabé à s'inscrire dans ce palmarès.
Le Burkinabé Hugues Fabrice Zango a décroché son premier titre mondial du triple saut lundi soir à Budapest. Avec une marque de 17,64 mètres, il a devancé les Cubains Martinez et Napoles. C'est tout simplement incroyable, je suis vraiment heureux. J'ai rêvé de cette médaille depuis 2019 et ce n'a pas été facile de l'obtenir. Je suis passé par le bronze, l'argent et maintenant l'or. Je suis vraiment heureux de ma progression. Je suis sûr que la prochaine fois sera encore meilleure. Vice-champion du monde en 2022 à Eugene et troisième à Doha en 2019. À 30 ans, Zango est le premier athlète de son pays sacré au championnat du monde d'athlétisme. Forcément, on a beaucoup plus de pression parce qu'on porte quand même les rêves de beaucoup de personnes, que ce soit de l'Afrique, du Burkina aussi. Et moi, j'ai à cœur d'être un ambassadeur du Burkina qui traverse quand même des moments difficiles en ce moment. Et donc, tout ça, ça pèse quand même sur un peu nos actions. Et aujourd'hui n'a pas été facile. Et donc, quand on a vu un peu comment se passait le concours, mon coach m'a juste dit « relâche, relaxe ». Tu sais faire 17,60 m. Tous les jours, tu fais 17,60 m à tous les meetings. Juste refais 17,60 m. Un mental d'acier forgé avec son coach qui n'est autre que le français Teddy Tamgo, champion du monde du triple saut en 2013. Et c'est sportivement que nous prenons congé de vous, dames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités sur la télévision de la famille. Bonsoir chez vous. À demain.